Tourne et retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 54. Et on est avec l'âne dans Shrek. There we go. C'est un rat musqué ça ou pas? Non, c'est bon, c'est un raton laveur. Un écureuil noir. Ok. On va retrouver Shrek pour une mission. Allô, t'es. Il est pas bien, il est en PLS, messire. Tiens, mon garçon, prends une pomme. Hop, on te remonte ça. Ah mais je vais commencer la mission. Le mulet il va se barrer. Et ça a dit dépecer toutes les espèces. Hein. Donc on va dépecer. Ah merde. Et vous, mulet? Ah, c'est un mulet aussi. Attendez, ça veut dire qu'on peut... On peut le monter. Ah, on peut le monter, ça. Incroyable. On peut le monter, messire. Oh. Incroyable. Le zèbre. Ah, par contre... Merde, ça fait un peu bizarre. Oh, là on est good. On est good. Avancer. On va maxer le flou. Ouais, c'est vrai. Regardez-moi ça, le zèbre. Mais tu as arrêté de te plaindre. Bon, suivez-nous, monsieur Michel, là, on y va. T'inquiète. Totalement zébré. Bon, du coup, je saurais que les mules, on peut pas les dépecer. Hein. Oh merde. En même temps, ils sont gentils, eux, tu sais. Ça te dit tous les animaux? Bah, je prends ça premier degré, tu me dis tous les animaux. On va tout faire. Ouais, j'avoue que c'est dommage, ils sont marrants. C'est marrant de rider avec des mules comme ça. Bon, après, on leur fait mal, hein. En vérité, c'est horrible là, ce qu'on fait.
Parce que tu regardes son cœur et ses trucs qu'il est en PLS, le bazar qu'on soit sur lui. Terrible. Bon. Monsieur, dame. Good grief! You found him! Our zebra! Well, you can call him that. Although he's as much a zebra as you are a... En effet, horriblement drôle, monsieur. Oh dear, you're missing the point, aren't you? It's an illusion, a trick of the eye to bamboozle the senses. Confound comprehension. Hoodwink your audience? Hoodwink? Our audiences? Dear boy, don't be so dreadfully literal. No one will pay for the truth. They only pay for deception. The allure of the stage, dreams and reality. Ah. What is the greater conjuring trick? Lassoing some poor beast on the plains of Mars. J'avoue, pour au petit chasse, j'avoue pas une mauvaise idée, j'aurais peut-être faire ça aussi quand je joue au petit chasse. There, in the glare of those arc lamps, something mundane into something extraordinary. It's the difference between prose and poetry. It's alchemy. We're selling dreams, dear boy. Well, as long as... On de chier dessus, l'autre, là. Yes. Well, it's not everyone's cup of tea. And speaking of my payment... Seigneur. I shall make it worth your while. Il s'est chier dessus, le mec. We shall need the whole menagerie back before we can think about that. My assistant's gone for the tiger. Tiger? Yes, yes. And taken our remaining lion in case it could lend a paw. On veut sa moustache. Pour la miniature. I hate to ask. All right, I'll see what I can do. Alors. Ah, encore, Seigneur, on peut tout finir Margaret là, là. Ce serait la VOD Margaret là. Ah, il s'est un peu chié dessus, ouais, en effet. Ah ouais, c'est à côté. On pourrait faire ça, comme ça on sera tranquille. Hein. Ça nous fait faire du secondaire, allons-y. Ah mais non, mais moi je veux d'abord aller poser mes pots de chèvre, on sait jamais. Allons-y. Attends, il nous fait passer par où? Ouais, putain, il nous fait passer par là. C'est mort. Je sais pas suivre le chemin. Pourquoi il a besoin d'être brossé, là, lui, là? Tiens, on te brosse. Je vais d'abord aller déposer les pots de chèvre. Il a déposé un petit bilan. Oh, ces conneries. C'est tout. Les pierres de limonade, encore eux. Mais espèce d'enculé. Putain de merde. Dont on le sauve et il nous respecte pas. Ordure. Putain de merde. Ouais, voilà. Faut vraiment aussi que j'aie une armurerie là parce que commence à être la dèche niveau munitions moi perso là. Faut que j'aie une armurerie, que je prenne full. Oh là là, oh l'état des armes, tu m'étonnes que je fais zéro dégâts.
Putain, ça fait longtemps que je l'ai pas entretenu. Tu m'étonnes. On va faire un tour complet. Hein. De toute façon, on est full volcanique avec notre Arthur. Je pense que je changerai un peu le... Je vais changer un peu le style de Arthur au fur et à mesure. Et pour le moment, on reste en mode pistolet. Springfield, bon, même si c'est pas beaucoup, allons-y. Le petit gibier, ça va, faut pas exagérer. Tout le reste, ça va, mais c'est vrai que putain, waouh, les volcaniques, ils avaient pris un coup. Le revolver d'Hermione Granger. Très très stylé ce revolver. Et ben voilà, ben on est good. C'est bon, allons-y. Si j'ai bien fait de passer par là, moi. Qui tout double. Quoi cette baraque? There we go. Je suis curieux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, chef? Qu'est-ce qu'il est où ce bâtard? Il est où ce bâtard? Viens, viens là. On entend des bruits bizarres ici. C'est quoi ce truc? Je pensais que ça serait un endroit où je trouverais un truc spécial. Mais ce coup du tableau, ça me dit un truc, ouais. Ça me dit quelque chose. C'est ces enfoirés là qui font tout ce boucan là.
Bien, on se casse d'ici, Michou. Ah, là-dedans, là ? Il y a vraiment un truc à voir là-dedans tout de suite, là, maintenant ? Bah, s'il y a un truc à faire dedans, je veux bien un petit indice, sinon NP, hein. Ah, ok. Bah, s'il y a un truc à faire tout de suite, autant le faire maintenant, hein, sinon... Sinon, c'est pas grave. Ok. Il y a un truc de peinture qui me dit quelque chose, mais... Mais c'est tout. La peinture me dit un truc. Cet endroit, c'est quoi ce truc? Oh, Zobby! Pardon, pardon. Bon, ils font chier, eux. On peut pas être tranquille. Attendez, on va prendre le chemin des guides. J'ai cru que c'était le corps de quelqu'un ou je sais pas quoi, mais en fait, non. Mais je peux pas passer ailleurs. Oui, bon, cassez pas les couilles. J'aimerais pouvoir traverser, s'il vous plaît. Possible ou... C'est nous tranquille, monsieur, dame. Et bon... J'ai pas envie de croiser la mission secondaire là, sur le chemin. Qu'est-ce que tu me veux, toi, le Grey là? Qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, ils sont agressifs, eux. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais, ils m'attaquent, hein. On n'est pas dans le rouge, enfin on n'est plus dans le rouge ici. C'est juste qu'ils se souviennent. Ah. Ok, on y est. Nickel. Pourquoi il s'arrêtait d'un coup comme ça, lui? La goutte. Real shame about them calendar boys, I reckon. Why don't you just sit down instead of milling about the place? You look pissed off. No more than usual. Is that a journal I see you writing in? Something like that. That's good. Prenons une photo de cette goutte. Regardez-moi ça. Merde, oh là là. On veut une photo de la goutte. Alors regardez. Putain, on peut pas faire plus. Seigneur. Oh, le Luxad, hein. Ah là, le Luxad, terrible. J'aurais peut-être dû tenter de prendre une photo quand on discutait avec elle. Totalement obsédé par Clémentine.
Artisanat. Nice. That makes any sense. I've come up with some ideas for ways we could improve things around here if you want to take a look. C'est ici, ouais, ok, voilà. Voilà, voilà. Ok, maintenant ici, non plus que le boys original, mais je sais pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, le boys original, hein. À mon avis, ça doit être sur un ralou très rare. Je sais pas. Ça nous manque plus qu'un vieux rat musquet tout pourri. Et le reste, voilà. Encore une peau de bœuf, de Franck et de cougar. Faut que je pense à tout ça. Est-ce qu'on peut réinteragir avec pour se faire une petite photo? Ah, peut-être qu'on peut s'allumer une clope avec elle. Oh bâtard. Have a nice evening. Regardez, à slash une galbiche. À slash une galbiche, on aurait pu slash une galbiche ensemble. Attendez, madame. Oui, on n'a rien à foutre. I put you in one of the upstairs bedrooms. I thought that would be a little nicer for you. I mean, the place is a dump, but we can survive. Vous gâchez tout, madame. Yes, it's great if you love alligators and mosquitoes. Exactly. Anyway, it's left at the top of the stairs and head on to the end of the landing. Dégoûté. Thank you. Dégoûté, la vieille. And you all ain't so bad. Abigail, she's as good as evening, Mr. Morgan. C'est qui gueule. Putain, elle est plus en post-clope. Ex cold-blooded, hein? You're a good man behind it all. Seigneur. You don't know me well enough yet, Mrs. Adler. Mais j'ai entendu le bruit de quelqu'un gueuler là. C'est quoi ce bordel? Take it easy with that stuff. Ah putain, c'est vrai que... C'est vrai qu'il était avec... Avec le Sean, là. La pauvre. Ah mais il commence à faire nuit. Qu'est-ce qu'on va se faire? Mais ils font quoi ici là? You okay, Mary Beth? Just worried about the boy. I know, we all are. Good evening. Evening. Bon, Pierre, voyons-nous pas. Evening. Hey, Tilly. Any news on Jack? We're working on it. Voyons voir. Seigneur, on voit rien dans cette baraque. Voyons voir nos quartiers. Ah oui, c'est vrai que c'est par là. Oh. Ouais, mais c'est tout dégueulasse. Regardez-moi ça. De l'huile pour armes. Il nous en faut. Haute vélocité. Attendez, il y a plein de trucs là. Non. Couteau empoisonné. Une bouteille incendiaire. Ben nice. Ah, on est dans le rouge carrément. Super.
pionçon jusqu'au matin. J'irai voir dans le bazar là pour contribuer là. On mettrait un petit peu de thunes. J'achèterai des trucs. Cette vitre, ils vont pas la changer. Seigneur. $15, peut-être un peu plus. Alors, foutre 100 dans la gueule. Hein. Allez, 200. Non, ça tranquille après. Bon, bah voilà. Allez, hop. Hein. La flemme de redescendre. Passons, moi, j'ai plus rien à acheter sur le bazar. À moins qu'il y ait une nouvelle chose là avec ce camp-là. Mais je me souviens plus. Je crois pas. Ouais, non, il n'y a rien de plus. Ça, c'est vraiment dommage. Hein. Je sais pas comment ils ont pu se dire qu'on allait galérer à se faire des thunes dans ce jeu. Alors que, regardez-moi, je fouille tout le monde, je joue normalement. Et on était à 4000 avant que je donne des thunes. Au final, tout ça, tu l'as très rapidement. On n'avait même pas commencé le chapitre 3. Quoi. On avait quasiment tout. Il manquait que le relais de chevaux et le bateau du camp à faire. Moi, je peux pas acheter. Ah merde, pourquoi je peux pas acheter les provisions de bouffe? Seigneur. Ah moi ils m'ont jamais dit ça, perso. En même temps, on a tellement contribué. Là maintenant je donne juste, c'est pour augmenter les provisions quand c'est faible. Encore en vrai tu fais ça, c'est juste pour avoir des trucs... pour toi en vrai, hein, parce que eux, je crois qu'ils consomment, mais sans plus. Regarde-le, cet enculé. Est-ce qu'on peut faire du piano debout? Ah, nine. Seigneur, alors la vieille. How's Abigail holding up? Ah, il m'a dit qu'elle est dans le mal, elle. We will, I promise. Il faut qu'on le trouve, mais moi je suis dans une run, je prends mon temps, hein, les mecs. Hein. On va pas courir après l'émission principale, je vous le dis, moi. Le Jack qui va attendre. Hein. Est-ce que je vais enfin pouvoir avoir ma photo avec la goutte? C'est ça le truc. Sadie. Morning. Avec son petit café. Ouais. Ah, je vais prendre mon café aussi. Attendez, buvez pas tout de suite, madame. On va faire une photo café. Entre celle-là et celle où on avait fait une session post-clop, on est plutôt pas mal. Post-café, clop, il n'y aura plus que la post-caca. Malin.
Quoi? Aucune idée des circonstances. Merde. Ok. Vous connaissez pas la règle des 3C? C'est connu ça pourtant. Ok, elle est vraiment pas mal hein, celle-là. Ah, celle-là est vraiment pas mal. Vraiment pas mal celle-là. Non? Je trouve qu'elle est cool là. Elle est vraiment cool là, celle-là, là. Mais non, la règle des 3C, c'est café, clope, caca. Seigneur. Est-ce qu'on peut avoir une... Les deux. Hop. Parapapapapap. Oh, Ecosia derrière. Incroyable. Le shooting café. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Sur carré comme un con. Voilà, et là maintenant, je fais ça parce que si je fais directement la capture char de chair, pardon, ça retire le flou. C'est une dinguerie. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais ça le fait. Au revoir. Hello, Miss Grimshaw. Let's go, boy. Ok, cassons-nous. Allons faire la mission secondaire. Alors qu'il sait très bien qu'il n'y a rien à comprendre, malin. Perd son temps. Pauvre Osea. J'ai vu. What? C'est que ces conneries? J'ai vu récemment qu'il y avait une théorie en mode. Osea est malade en fait. Bon allez, juste on prend la peau. Que genre Osea a un cancer ou je sais pas quoi pendant l'histoire en fait. Qui sait qu'il en a pas pour longtemps, etc. Alors je l'ai vu aussi mais moi celle qui me plaît c'est surtout le fait qu'il est malade quoi. Un peu comme Arthur le devient sur la fin du jeu, sauf que lui là c'est en ce moment Osea, tu vois.
Mais j'ai vu aussi la théorie de la transmission, que ce serait pas l'autre qui lui crache dessus, mais que ce serait Osea qui transmet la tuberculose à Arthur. Ouais. J'ai vu ça aussi. Ah mais alors voilà ici lui. Ah mais non mais c'est un autre... C'est une autre partie là. Bah, ouais Miss. You lose a tiger? Yeah, you found one? No, I found your caravan down the way. Margaret said that you might need a hand. Oh, you weren't wrong. That tiger's missing. I sent our best lion out to find him, and now he's missing too. It is a right old predicament. You're lying from Timbuktu, weren't you? From Valentine, I think. He might be more of a kind of dog than a lion, but in a certain light, a feller could never tell. Of course. Which way to go? Into them shrubs over there. Okay. Why don't you hop up on the wagon and I'll see if I can find his track. Okay. C'est ça, c'est ça. That's where I lost sight of him. I got it. Got the track. These are paw prints. I'm gonna move this wagon up. Looks like blood to me. Shit. What's this? Ah. Oh merde. Found your dog. Ex dog, ex lion. Hey boy. Oh, where's the rest of them? I think a cougar took him. That'd be Stripey. Oh, une cougar. C'est ce qu'il nous faut. What else? You still need it back? Oh, yes, sir. She's our star attraction. Well, let's hope it wants the other half of its dinner. Alors s'il y a une cougar dans le coin, moi il me la faut hein. Really? I'm gonna put him in your wagon. You find somewhere to hide. Oh. Well, behind that log then. Okay. Il me faut mon Michel. Oh putain comment on l'attège. Stay down. She won't be too far away. Michel. Michel, t'es où? Mais pourquoi il est aussi loin cet enculé? J'ai besoin de mon fusil. Je veux une peau parfaite. Je veux une cougar. Viens là, connard. Ah, mais il se fout de ma gueule. Mais comment ça? Pourquoi il vient pas cet enfoiré de canasson? Ah là là, avant que je descende, j'aurais dû prendre mes armes. Je suis baisé, je suis obligé de niquer une cougar pour rien. Il devra me démerder. J'aurais pu m'optimiser. Voilà, j'ai le seum. J'ai beau le siffler, l'autre il vient pas, cet enfoiré. Évitez de siffler votre cheval pour l'instant. Et vous faire foutre. J'arrive, j'arrive. I went out to find a tiger. Cougar, you mean? And I end up losing a lion. Yeah, dog. Ain't having any luck. Well, if that's what you're dealing with, you didn't have any luck to begin with. Cougars and dogs. Hey, it ain't what you got in this life. It's what you make of it. Well, that's very wise of you. Especially when you're lacking zebras and tigers. Seigneur. Oula. Look, I really showed the dog. Like I said, they what, c'est quoi ce truc? C'est pas une cougar ça? Oh, I guess she's real hungry. She's feral.
I'm walking around. Ah, mais j'ai pas à la chasser en fait, c'est pour ça. Ah, les portes sont tombées. Mais on ferme des portes. Voilà, on ferme. C'est invisible porte. Une porte invisible. Des portes invisibles, nickel, c'est bon. Ah putain de merde. C'est bon, là. Et voilà, ok, c'est bon. On a fermé le portail invisible. Nickel. Va se barrer ou pas? Putain, j'ai eu peur, je croyais qu'elle allait se barrer. Ah putain. Vraiment. Jouer sur PS5 à ce jeu. C'est vraiment voir, c'est vraiment, j'ai jamais eu autant de bugs sur ce jeu qu'en y jouant sur cette putain de PS5 là. Vraiment. Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Ça devrait mieux tourner. Ça devrait encore même mieux tourner le jeu. Mais non. J'ai jamais eu autant de bugs. Ouais. C'est terrible. Mr. Margaret's a lot of things, but best female navigator ain't one of them. Imagine you're right about that. We was tearing around here, looking for any kind of landmark when over we go. Entre le coup des portes qui sont tombées et qui du coup deviennent invisibles, ouais, c'est plutôt pas mal, hein. Plutôt fort. Hein. C'est un bon item dans ma collection de bugs, j'aime bien. Un beau trophée. Tu fumes sa galbiche. Il attend. Jolly good, jolly good. You know, tarring and feathering a donkey is one thing. I beg your pardon? It's grease paint, makeup. But playing dolls dressed up with a wild animal, you're gonna want to be a lot more careful. Strappy ate King, Mr. Margaret. I saw her do it. I always thought they got along. Oh, she liked him just fine. She licked her chops and asked for seconds. Hey, speaking of which, you got any more word on that runaway lion, or you gonna pay me for these misfits? Look, I'm well aware that we're not Royal Command performance material. Daddy, you were right, goddamn you! But a cow barn in Rhodes is hardly Drury Bloody Lane. Ah ouais, Damien, ce serait terrible, hein. Yes, I've got word on the lion. Si c'est vrai. Someone saw him near Emerald Ranch. Terrible. As you know, we're lately very short on lions. So, I'd be very grateful. All kinds of grateful. There's only one kind of grateful I care about. So long, mister. Be a dear and fix me a gin. Ok. Ben, j'ai l'impression qu'on va tout enchaîner là, avec leur histoire. Là. Comme ça, c'est fait. Hein. C'est vrai.
En vrai, je pense que Skull and Bones, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est... C'est un jeu sorti beaucoup trop tôt, quoi. Beaucoup trop tôt, c'est un jeu de farming. Pour vraiment être très très fan de l'univers pirate, pour être à fond dedans. Plus que la moyenne, je pense. Bon alors, est-ce qu'ils ont acheté un nouveau buff ici là ? Une vache. Il nous faut un buff, nous. Hein. Il nous faut un buff 3. Hein. Voilà ce qu'il nous faut. C'est vrai que vous en rachetez un autre, là, les mecs. Qu'est-ce qui se passe ici ? I saw its claws. That's enough for me. We got a cursed creature in here. Oh yeah? It's as big as a mule and as mean as a hellcat. It looked like a lion to me. That's a dog in there. Dog? Ah bah oui. You'll excuse me. Très très fort en effet. Step aside. Bon, cassez-vous. I said step aside. C'est qu'un chien. Sont cons ou quoi? Allez, laissez-moi rentrer là-dedans. Alors, le dog. Où est le dog? Il y a de la merde par terre. Et ben voilà. C'est pas... pas un bruit de chien, ça, hein. C'est pas un bruit de chien, ça. Look what you've done. Look what you've done. Son of a bitch. C'est pas un bruit de clébard, ça. I'll take care of this. Bâtard. What? Quoi? Ils ont un vrai lion? What the fuck? Seigneur. Le bâtard, il m'a niqué. Mais comment ça? Mais pourquoi ça m'a sorti un vieux flingue? Oui. Bah vous pouvez, hein, Damien, il a déjà appelé tout à l'heure, hein, de toute façon. Vous serez sur la liste, hein, sur la liste d'attente. Putain, mais hé. Hey, la télé qui décide de s'éteindre, elle démarque au bon moment, hein, celle-là, hein, Seigneur. Seigneur Tout-Puissant. Comment ça, pour aucune raison? C'est totalement faux. Un trophée? Mais je l'ai pas tué pour aucune raison. Le jeu, il m'a dit... Le putain de jeu, il m'a dit oui... Faut dépecer et plumer toutes les espèces d'animaux. Donc je me suis dit, hop. Il y a une mule qui était dans le coin, là. J'ai fait, vas-y, je vais la prendre, ça va être marrant. Puis après, hop. Alors je vais tirer dessus pour la dépecer, mais on peut pas dépecer. On peut pas dépecer les mules. Qu'est-ce que j'y peux?
Salut Monsieur Scavax, comment qui va? Du coup, patte de lion. Peut être utilisé pour fabriquer des objets. Je crois que c'est les receleurs qui créent les talismans. Avec ça là. Attends, mais il est où le receleur là? Il est mort ce con de receleur. Ça va être tranquillou, hein. Ni pour dépecer, ni pour... Dieu. Oh, le menteur. C'était pour dépecer, mais je pouvais pas. Ah ouais. Montez yep. Comme ça, monsieur. Ah ouais. On va continuer l'affaire du cirque, hein. On peut appeler le pétard. Ah ouais. Ah ouais. Et ben moi, ma défense, c'est que ce n'est qu'un jeu. Il peut pas y avoir de cruauté animale dans un jeu. C'est du pixel. Il y a des... Il peut pas être de la cruauté animale de faire ça. C'est qu'un jeu. Vous pouvez pas. Oh. Monsieur Margaret. Odysseus returns. Sally, get the cages ready. Yes, sir, Mr. Margaret, right away. A man-eating lion. You didn't think that it might be useful for me to know that this time the animal was actually real, you moron? Steady on. I clearly stated that we were looking you for... You haven't clearly stated anything in all the time I've known you. That could have been a goose for all I a know. A goose? We'll hardly get them to their feet for the curtain call. Bring on the king of the beasts, on the other hand, and they feel the roar. And they, well, look about as surprised as you do. What have you done with him, if you don't mind me asking? I killed him. He's dead. Bloody hell! This is rum, old boy. Well, it was him or me. Now, pay me. Yes, of course, of course. I have just the thing. And what a treasure it is! You're a lucky man, sir. Very lucky man. From the mines of El Dorado, as green as the rainforest, oui, bah oui, tiens. As clear as the Amazon, et sûr, c'est de la merde. As all the gold in the Andes. Ah ouais, c'est vrai pour Paul Ward. Terrible. Compared to this jewel's true value. Wait. Merde, je sais pas si vous répondez, mais oui, nous, ça va bien, monsieur. We had a deal. Yes, of course. A promise is a promise. Sally, get the wagons moving. Ain't we waiting for the lion? He's in the great hunting ground in the sky. Good day, sir, and thank you. But we really must be getting along. Yeah, I won't keep you. So long. Yeah. So long, Mr. Morgan. Next time you see me, I'll be topping the bill, I promise. Or at least I'll be on the bill. Oui. Il aime les animaux, vous voyez bien, un émeraude, il nous a fait vraiment filer une vraie émeraude. Ah ouais. Ah non, c'est un cadeau. Bon, en tout cas, la patte de lion, là, moi je vais aller sur un rosseleur, là. Je crois que c'est les rosseleurs qui créent les talismans, hein, et pas les trappeurs. À mon souvenir, je crois que c'est ça, hein. Donc allons-y. Ouais, que je me trompe pas de chemin, je crois que c'est par là. Hein. Ça, je vais vendre son talisman à l'autre là. Ça va nous rapporter 2 dollars son truc, c'est sûr. Ah, I recognize that face.
Ah, en 50, ça va, les guides. Legit. God, you. Hello, mister. Go on. Fabriqué. Quick nosy. Got a little kick shot. Ah, voilà. Ok. Donc, augmente de 10% le bonus d'expérience pour l'énergie. Ouais, seigneur. Allez, prenons, hein, même si c'est pas... Talisman dent d'alligator, ça donnera quoi, ça? Ah ouais, c'est pas mal, ça. Morceau en quartz, bracelet chaîne en argent, une griffe d'ours légendaire. On faut que les trucs légendaires, de toute façon. Menottes de la garde de sécession, où est-ce que je vais trouver ça, moi? Bracelet articule en or, où est-ce que je... Où vous voulez que je trouve tout ça, moi? Seigneur. Ok. Un gros feu de camp là-bas. Du coup, les missions cirque, c'est finito là. Qu'est-ce que je peux faire pour conclure cette VOD? Ce serait un peu terrible de faire de la mission principale là. Alors qu'il ne reste que peu de temps. Hein. Ah oui, j'ai dit que je voulais aller à l'armurerie. Bon bah voilà, je pense que ça va conclure là-dessus. Hein. Faut que je rachète des munes. Faut que je rachète des munes et que j'en fabrique. Les têtes fendues là, il va me falloir ça. Parce que là, je suis à sec. Hein. J'ai rien. J'ai plus assez. Mais non, c'est pour l'histoire. Les munitions pour les animaux qui n'ont rien demandé. J'ai mon fusil, j'ai mon Springfield, j'ai tout ce qu'il me faut. Regardez, 200 munitions, 100 à tête fondue. Mais si, pour ça, on a tout ce qu'il faut, là, t'inquiète pas. Là. Mais c'est pour beaucoup de munitions pour mes flingues. Pour l'histoire, j'aimerais bien avoir... toutes mes munes et aussi des fers à tête fondue, comme ça plus de dégâts. Attendez, mais c'est quoi ça? Merde, bon, je suis alors que 10 secondes après. Ah, tu respawns ces acteurs. Quoi? Ah! Ben, ils spawnent pas de ouf tous, hein. Il y en a, ils sont plus rares. Hein. Sur les cougars, ça respawn pas à la même cadence que tous les autres. Hein. Des biches, tu peux en trouver à l'infini, mais le reste, là, c'est plus ou moins rare. Hein. C'est terrible. J'ai cru voir une grosse bête. Les Vicky Guerrero, ça, ah, je sais pas, sûrement, hein. Sûrement que oui. C'est vrai qu'il y a un petit
Une petite attaque de diligence à faire. Je pense qu'on va faire ça. On va se racheter des munes et on va attaquer une diligence. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Encore lui, seigneur. Ça fait au moins trois fois qu'on le voit, lui. What you doing here? Just visiting old friends, I guess. Well, you better get out of here. There's a bunch of government agents I met asking about you all across town. Yeah, them and a bunch of bounty hunters too, I think. So. Yeah. Yeah, but you don't seem too scared. Guess not. Well, you seem pretty mad. What'd you do? Nothing good. Well, you better get out of here. Want to know the latest? Buy one of my papers. Hello, sir. Oh, quel vieux. I'll have my eyes on you every second you're in here, thief. Mais com- so, what are you in the market for? Comment ça, voleur? Attention, toi, attention, mon garçon, ça peut vite partir. Hein. Alors. Haute vélocité, on prend tout. Hein. Parce qu'on est riche. Même des express, les meilleurs. Ah, on prend tout, c'est bon. Non mais je prends tout, j'en ai rien à foutre. Faut que tout soit épuisé. Prends tout. All right. Si vous le dites, hein, c'est que c'est sûrement possible, hein, monsieur. Much admired in these parts. Ah, mais il n'y a pas un nombre limité d'huile pour armes qu'on peut avoir, là? Ah si, quand même, je me disais, j'arrête pas d'en payer, ça ne s'arrête jamais. Est-ce qu'il y a vraiment eu un revolver ou une arme de ouf à prendre là, franchement, je pense pas. Hein. La carabine a des stats de merde celle-là. Après tu me diras peut-être que pour les 100% faut tout acheter, j'en ai aucune idée. Absolument aucune. Ça, je sais pas pourquoi c'est verrouillé. Le canon scié. Bref. Mouep. Fusil à répétition est bloqué. Ouais. Bah écoutez, je pense qu'on est good, hein. Bah j'ai l'impression, mon chef. Ah non, attendez. Vous avez raison. Personnalisation. Il a raison celui-là. Et pour une fois qu'il est pas con lui. Mais mes volcaniques sont tous bien bien personnalisés, je pense. Looks like you're taking care of that weapon. Good to see. Je pense que c'est surtout les carabines qu'il faut que je custom. That gun seems to be well taken care of. Interested in engraving some? Make that weapon your own. That could really shine with some carbon in it. Oh,
On va mettre un ralou. I can rifle the barrel for you if you'd like. Ah bah allez. Ah bah voilà, mais de toute façon, c'est pas toi qui m'avais dit ça, Damien, qu'on pouvait le faire, ce truc-là, il y a quelques jours déjà. You'll appreciate the improvement. Bon, ouais, That'll help, I'm sure. That's a wise investment. Ah. Oh merde, ça cache. Mais à ce qui paraît, de mettre une protection, ça protège du fait que l'arme se détériore plus vite ou pas. Donc je le prends. C'est laquelle, celle que j'ai sur moi? Merde, je sais pas c'est laquelle d'arme que j'ai sur moi. Des carabines. Merde. Well, if that gun ain't shining, glad you take care of what's yours. Got some nice parts for that gun, you know. Oh oui. That'll help, I'm sure. On est good déjà avec ça. You'll appreciate the improvement. N'empêche qu'on puisse pas changer la couleur de la protection là. Abusé ça. Putain, mais je sais pas c'est laquelle. That gun seems to be well taken care of. Mais j'ai tout augmenté. Voilà. I can improve the accuracy of that, c'est you bon, know. C'est bon. Je vais le faire surtout, puis voilà. That's a wise investment. Pff, ouais, je vais pas foutre une lunette sur chaque arme quand même. Surtout que là, c'est une carabine, ouais, non, pas besoin. Sinon, ça ferait That'll dégueulasse. Help, Well, if that gun ain't shining, glad you take care of what's yours. Bon, bah, gameplay amélioration, hein. On va finir la VOD là-dessus. Pas très passionnant, mais bon. Bon, après, je serai nickel. Pas de lunettes pour ce truc-là. Vraiment dommage qu'on puisse pas changer la couleur de la protection, là. Bon, du coup, le petit gibier, je l'ai fait, oui. Looks like you're taking care of that weapon. Good le Springfield. Well, if that Springfield is good. Glad you take care of what's yours. I can rifle the barrel for you if oh, you'd bah like. What? Ça n'avait pas été fait ce truc-là. Ça oui. Okay. C'est les Carolina Parakeet, ok. Bah, ça me dit rien du tout, je n'aurais jamais dû en croiser. Hein. Hey, you know that gun could use a few choice parts, really make a sing. You'll appreciate the improvement. Bon, ça, à la limite, vu que c'est un fusil, pourquoi pas. That's a wise investment. You'll notice the difference. Eh ben, tant mieux s'ils sont giga rares à trouver, vu que... Mais attends, mais du coup, ça veut dire que ça va être une espèce de que je serai obligé de trouver quoi qu'il arrive, si je veux avoir tout étudié. Seigneur tout puissant. Aïe, aïe, aïe.
Zombie. Well, if that gun ain't shining, glad you take care of what's yours. I can improve the accuracy of that, you know. This is the bean amush. J'en ai déjà un canoncier. Good to see. Oui, ils m'en reproposent un à la vente. Got some nice parts for that gun, you know. You'll appreciate the improvement. Ah ouais. That's a wise investment. Well, if that gun ain't shining, glad you take care of what's yours. Hey, you know that gun could use a few choice parts. Really make us sing. That's gonna be great. That'll help, I'm sure. Allez hop, plus grand chose. Looks like you're taking care of that weapon. Good to see. I can rifle the barrel for you if you'd like. Ouais, de toute façon, ça ira voir sur internet hein, pour trouver tout ça. Putain, la table de mixage en PLS, attendez. On va rebrancher. Voilà, comme ça c'est fait. Je suis tranquille. That's a wise investment. Je comprends pourquoi on peut pas le modifier. Modifier sa couleur, c'est vraiment très débile. Well, if that gun ain't shining, glad you take care of what's yours. Weapon's only as good as its stock. Got some fine ones cut just for it. That'll help, I'm sure. That's more like. On va passer sous la barre des 3000 là, c'est sûr. Interested in engraving some? Make that weapon your own. Boy. Ah ouais. I've heard some unsavory things about that salesman, Virgil Fish, something. And the Yankee sympathizing is the least of it. Tu en es good, hein? Ah, mais les revolvers de Hermann Granger, etc., on peut rien faire. Les revolvers Scofield, apparemment, c'est les meilleurs. Quand on passera en mode revolver, il faudrait peut-être que il soit parfait. Looks like you're taking care of that weapon. Good to see. Got some nice parts for that gun, you know. Ah, mais je leur ai déjà donné un. Les rayures, je m'en suis déjà chargé, pardon. La mise en fer, pareil. Eh ben. Ah, c'est peut-être l'autre que j'ai pas fait. That gun seems to be well taken care of. Hey, you know that gun could use a few choice parts. Really make us sing.
mettre en blanc celui-là. Pourtant, il est long aussi. Ah bah voilà. Ah bah voilà, pourquoi il y avait une différence de stats. That could really shine with some carbon in it. Ouais, d'accord, celle de base est déjà comme ça, ok. Ouais, on va laisser ça comme ça. Ben voilà, finalement, on tombe pas sous la barre des 3000. Mais on est déjà le lendemain dans le jeu, malin. Thank you. Really. On va passer bien 10 minutes là-dedans. Là. Si c'est pas plus, quoi. Eh bien, écoutez, on est good pour cette VOD. Prochaine VOD, on va se faire l'attaque de Diligence, hein, je pense. Et après, on ira en mode histoire. Oh, les Maltesers qui tombent. Ciao. À demain pour la suite.